sens de la parole de Dieu. Et je vous propose de la lire maintenant qu'il faut attendre, nous restons assis pour cela, si vous l'aimez bien. Le texte apparaît sur l'écran et nous serons la lecture par Carole et par Michael. Carole va lire toute seule ce qui est en caractère droit. Et nous lirons tous ensemble, unis par la même voix, sous la direction de Michael, ce qui est écrit, image suivante, ce qui est écrit sur, en italique. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui a été libre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers le monde. Et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer cette voie. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité dans l'eau. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Thank you.
Ce matin, c'est avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'admiration que nous sommes venus dans ce lieu de prière, en pensant à ce que tu as fait pour nous il y a si longtemps, en pensant à ce que tu fais encore, en pensant aussi à ce que tu vas faire et qui dépasse notre imagination. Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre. D'ailleurs, les anges ne comprenaient pas non plus. Alors, comment le pourrions-nous, Seigneur? Comment pourrions-nous comprendre l'amour de Jésus qui s'est manifesté, qui est venu comme un enfant, comme nos enfants, dans le monde où nous sommes? Il nous est difficile, Seigneur, de comprendre la grandeur de cet amour et l'impact de cette naissance. Mais même si nous ne le comprenons pas, par la foi, nous saisissons aujourd'hui les bénéfices de cette grâce extraordinaire que Jésus a accordée pour sauver tous ceux qui croiraient en son nom. Et aujourd'hui encore, si nous voulons célébrer ce moment particulier, c'est parce que nous avons peur d'oublier la grandeur de ton amour, peur d'oublier la grandeur du sacrifice de Jésus. Seigneur, nous avons peur d'oublier le prix payé pour que nous puissions nous sauver. Et en célébrant encore une fois cet événement qui avait lieu il y a longtemps, nous voulons célébrer à nouveau ce moment où nous avons accepté les uns et les autres de recevoir Jésus comme notre Sauveur, de sorte que Jésus n'est pas venu pour rien. Nous voudrions, Seigneur, que de jour en jour, des jeunes, des hommes et des femmes en plus grand nombre acceptent Jésus comme leur Sauveur et que Jésus ne soit pas venu en vain pour eux. Ce matin, nous voulons nous remettre entre tes mains, te demandant de nous apprendre, nous aussi, à faire les sacrifices nécessaires pour que tu puisses avoir toute la place dans notre pays, dans notre famille, dans notre église, dans cette ville, dans cette nation. Accorde-nous, Seigneur, d'être capable, en pensant à ce que tu as fait, de faire les petits sacrifices qui sont sur notre chemin et que tu regardes pour que la voie soit libre à ta main. Ce matin, dans nos prières et dans nos chants, prouve, Seigneur, l'expression de notre admiration, de notre reconnaissance, l'expression de notre adoration. Et accorde-nous, Seigneur, le temps qui vient, la paix et la joie en Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom et tout le monde dit ensemble. Amen. 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 Et par ta force et ta lumière.
Nous sommes en retard pour célébrer la naissance de Jésus, parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus est né en automne. C'est dire à quel point nous sommes en retard. Cependant, je crois qu'il est approprié de saisir l'occasion de louer le Seigneur pour la bénédiction que Jésus représente pour l'humanité. Au-delà des petites lampes, au-delà des boules, des cadeaux, des sapins et de tout le folklore que l'Occident a rajouté autour de la fête de Noël, il est important d'aller chercher ce que Noël veut véritablement dire. Quand je pense à Jésus, je pense aux 7 C de Jésus. Je sais que Jésus s'écrit avec un J, mais il y a quand même 7 C à Jésus. Le premier, c'est la crèche. La crèche. On y est habitué, vous en avez peut-être une chez vous, il y en a une sur le piano. Mais une crèche, c'est d'abord une mangeoire. Si l'un de nos enfants devait naître dans une mangeoire, parce que ça ne pouvait pas faire autrement, on s'en souviendrait. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il nous est dit pendant qu'ils étaient là, le temps arriva où Marie devait accoucher. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est vrai, nous y sommes habitués, mais il est difficile d'imaginer, de penser, de réaliser que le Créateur de l'univers puisse aller naître dans ce trou perdu, dans cette boîte où les animaux vont manger leur nourriture. Vous pensez avec votre bébé là-dedans. Quand un bébé arrive, on va au magasin, on achète les choses les plus propres, les plus neuves, les plus belles. Ah, peut-être que Joseph va chercher la paille la moins sale. Mais voilà où on est, Jésus qui naît, dans la crèche. C'est le premier C. Vous vous souvenez, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il nous était dit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté d'aller jusque-là. Et encore une fois, nous n'arriverons à comprendre la grandeur du sacrifice que la crèche représente lorsque nous verrons de nos propres yeux ce que Jésus a quitté pour venir dans la crèche. Parce que nous n'en avons qu'une idée, le ciel nous est inconnu, nous ne savons pas ce que c'est, nous essayons de l'imaginer, mais notre imagination est bien trop humaine, bien trop petite pour réaliser ce que Jésus a laissé pour venir dans une crèche. Le deuxième C va avec le premier. Noël est associé aux cadeaux. Et les enfants attendent tous les cadeaux. C'est l'essentiel de Noël pour eux. On a grandi comme ça dans notre culture. Et on prend pour acquis que les grands vont donner des cadeaux aux petits, etc. Et les cadeaux, c'est une grosse affaire. C'est vrai qu'on a apporté des cadeaux à Jésus. Ces trois rois mages, comme on les appelle, ces sages qui venaient de Babylone parce qu'ils avaient lu le livre du prophète Daniel, sont arrivés au moment pour apporter à Joseph, à Marie, à Jésus, des cadeaux royaux, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Et vous pensez tous ces gens du peuple se retrouver avec ces cadeaux dans les mains, ils leur ont paru bizarre, étrange, incroyable. C'est vrai, c'était le roi des rois qui naissait là, dans une mangeoire. Mais en fait, quand on parle de cadeaux à Noël, le cadeau, c'est pas les boîtes sous le sapin, le papier rouge, le papier coloré avec des rubans. C'est pas le cadeau, ça. Ça, c'est les gadgets du temps présent. En fait, à Noël, le cadeau, c'est Jésus lui-même. Le cadeau, c'est Jésus lui-même. Et là, il n'est pas difficile de s'en souvenir, parce que c'est peut-être le seul texte
que les chrétiens ont encore réussi à retenir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est là le cadeau de Noël. Le reste, c'est du folklore. Le cadeau, c'est Jésus lui-même. Et ce cadeau, il est pour les enfants et pour tous ceux qui le reçoivent. Ce cadeau, il est pour tous ceux, comme dit le texte, qui vont voir en Jésus le cadeau dont ils ont terriblement besoin, impérieusement besoin, pour être sauvés. La crèche, le cadeau. L'autre à gauche.
Généralement, quand on parle du sacrifice de Jésus, on pense à la croix. On ne pense pas que le sacrifice a commencé bien avant. Et pourtant, il a commencé à la crèche, il se continue à la croix, et il est permanent. Il est permanent parce que cette nature humaine que Jésus a prise dans la crèche, il va la garder pour toute l'éternité. Il y a aussi aujourd'hui un homme, comme vous et moi, qui a sa main dans la main de Dieu et l'autre dans la main de tous les hommes qui veulent la saisir. Grâce à la croix. Dans la même épître aux Philippiens, auquel je faisais allusion tout à l'heure, le texte continue en disant « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le texte nous disait « Il s'est dépouillé lui-même. » Et maintenant il nous dit « Il s'est humilié lui-même. » La croix est devenu un symbole tellement commun qu'on les met n'importe où, dans des chemins hauts, on les fait pendre au cou, on les met n'importe où. Alors qu'en réalité, cette croix qui a été placée un jour sur Golgotha, c'est dans notre cœur qu'elle devrait se trouver. C'est au fond de nos cœurs qu'elle devrait être. Parce que là aussi, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à crucifier. Beaucoup de choses à sacrifier pour que je puisse comprendre aussi la croix de Jésus, le troisième C. Le quatrième C, le C suivant de Jésus, c'est le Christ. C'est ainsi qu'on l'appelle aussi, parce que Christ veut dire en fait « one », celui qui a été « one ». Et vous direz, Jésus, quand a-t-il donc été moine? Alors, on comprend qu'il a été moine aussi d'une façon particulière au moment de son baptême. Mais je pense à une autre onction. Parce qu'après le sacrifice, Jésus est monté au ciel. Il était venu sur la terre pour obtenir de l'univers entier de Dieu le statut de sauveur, le droit, la permission, la possibilité de sauver tout être humain. Une fois que le sacrifice a été accompli sur la croix, Jésus est remonté au ciel pour recevoir cette investiture extraordinaire. Mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a un texte dans l'Hymne des Psaumes qui traduit le chant que les anges ont chanté lorsque Jésus est entré de nouveau au ciel, cette fois-ci marqué par le sacrifice qu'il avait apporté. Les anges ont chanté et ont dit ceci, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Christ, celui qui a été loin, qui a reçu cette onction pour être notre sacrificateur. C'est là qu'il a reçu cette onction. La Bible nous raconte comment Aaron et ses fils ont reçu cette investiture avec cette huile qui leur a été versée sur la tête et qui a coulé sur leur visage jusqu'à leur vie aussi. Jésus, notre souverain sacrificateur. À cause de lui, nous avons un souverain sacrificateur vers qui nous pouvons nous tourner, sachant qu'il a le pouvoir de nous soutenir et de nous secourir dans tous nos besoins. Grâce à l'investiture, grâce à l'onction, grâce au fait que Jésus, venu dans la crèche,
et qui représente pour nous le plus grand cadeau qui soit. Accepter d'aller jusqu'à la croix pour devenir notre souverain sacrificateur. Croire
pas simplement de cette foi qui fait que de temps en temps, une fois par semaine, on va à l'église pour chanter un chant et faire une prière. Mais la foi de celui qui croit, comme Jésus l'a dit, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et qu'étant avec nous tous les jours jusqu'à la fin, il peut aider ceux qui veulent son secours chaque jour. Sa parole, ceux qui croient dans ses promesses, ceux qui croient contre toute science d'ailleurs, que ce que Jésus a fait est suffisant pour les sauver et pour les recréer à son image. Celui qui croit et qui peut dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Il ne dit pas, remarquez bien, je sais en quoi je crois. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et le monde chrétien d'aujourd'hui est plein de gens qui croient beaucoup de choses. Ça ne fait pas de des chrétiens, parce que le Christ, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une église, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un livre, c'est une personne. Je sais en qui j'ai cru. Et je me pose la question pour le monde d'aujourd'hui qui va fêter Noël sous les sapins et les guirlandes et qui se disent chrétiens, savent-ils en qui ils croient? Et je ne m'intéresse pas aujourd'hui, bien que ça puisse être approprié, de savoir ce qu'ils croient. Mais j'aimerais savoir en qui ils croient. Est-ce que Jésus des évangiles ou celui qu'ils ont fait dans une crèche faite de main d'homme au pied d'un petit sapin artificiel. C'est le cinquième C de Jésus. Mais il y a un sixième. C'est croire. C'est presque pareil. C'est pas avec un X. C'est pas avec un S. Si. Mais c'est en plus avec un petit chapeau. Parce qu'il ne s'agit plus ici de croire, il s'agit de croître. Et il n'y a aucune chance pour moi de croître dans ma marche avec Dieu si je n'ai pas appris d'abord à croire en ce Jésus qui est venu dans la crèche, qui a été donné comme cadeau, qui est allé à la croix, qui a reçu cette investiture de souverain sacrificateur, qui me dit, quiconque croit. Alors mettez l'accent circonflexe ou ne le mettez pas. Les deux sont nécessaires. Pas de croissance sans foi. Je ne peux pas croire si je ne sais pas en qui je crois. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, invitez l'Église de la façon suivante. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Croissez, grandissez. Combien d'entre nous ont pensé qu'arrivés au baptême, ils étaient arrivés au top de leur expérience et depuis le jour de leur baptême, ils redescendent gentiment vers un état de non-croyant ou de croyant formaliste. Croître, grandir. Nous avons dans notre langage religieux, et pour reprendre les textes du Nouveau Testament, donné un nom à ça, on appelle ça la sanctification. Et l'apôtre Paul nous rappelle que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens qui disent « Je crois, je crois, je crois. » Mais est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont grandi? Est-ce qu'ils ont cette expérience de croissance à partir d'une foi en une personne? La crèche, le cadeau. La croix, le Christ. Croire. Croître.
le cacao, la croix, le Christ. Croire, croire. Et nécessairement, le Christ vit une expérience qui se termine en triomphe. C'est le dernier essai, la croix. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de cette couronne. Au chapitre 14, il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 14, il est dit « Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Un peu plus loin, dans le même livre, il est écrit ceci. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nécessairement, le parcours de Jésus qui commence à la crèche va s'achever avec la couronne. Parce que ce parcours, si humiliant qu'il ait pu être, est un parcours de victoire. La victoire que Jésus a remportée pour pouvoir nous l'offrir aux uns et aux autres. Mais nécessairement, notre regard en ouvrant l'Apocalypse se porte vers le moment où l'univers entier va recevoir le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On ne parlera plus de crèche cette fois-ci. On ne parlera plus de croix. On parle de la couronne. Parce que maintenant, il est question d'un roi. Mais un roi sans royaume, un roi sans peuple, c'est quoi? C'est rien. Alors ce roi, lorsqu'il revient, il revient pour chercher son peuple. C'est ce qui lui donne justement ses lettres de créance, un roi sans royaume. Et jusque-là, le Seigneur est un roi sans royaume. Mais bientôt, il aura son royaume avec lui, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui, tous les quiconques qui ont cru, formeront son royaume. Alors la couronne, c'est ce que finalement l'univers entier va reconnaître pour ce Jésus qui s'est vautré dans la crèche à cause de vous et à cause de moi. Un jour, cette couronne, elle sera reconnu par l'univers entier. Et même si je n'arrive pas à le comprendre, je l'accepte. Tous ceux qui l'auront maudit toute leur vie, tous ceux qui l'auront rejeté, à commencer par Satan, le premier, jusqu'au dernier, reconnaîtront aussi à la fin que la couronne qui est sur sa tête, c'est une couronne juste. Il est le seul à la mériter. Alors, bien entendu, ayant lu l'Apocalypse, ayant lu les prophéties, nous attendons que ce moment se réalise. Nous attendons que Jésus soit véritablement couronné pour l'univers entier. Mais en attendant, je me dis que, sans aucun doute, ce serait utile qu'il ait aussi la même place dans ma vie aujourd'hui. Que je sois capable, par la foi, de lui donner cette couronne pour ma vie, pour ma famille, pour mon existence. Que je sois capable de le couronner déjà maintenant. Et que, à côté de la crèche, il y ait aussi une couronne prête dans ma tête. Celle qui va donner à ce Christ la première place. Pas seulement un jour par an, à Noël, pas seulement un jour par semaine, le samedi, mais tous les jours de ma vie, jusqu'à ce qu'il revienne. Oh,
laissé un frère il y a plus de 2 millions pour nous sauver. Seigneur, fais que cela touche nos cœurs, fais que cela ouvre nos yeux, Seigneur, sur le grand sacrifice que tu as accompli, sur cette mission que tu as menée à elle. Seigneur, c'est pour nous que tu as fait tout ça. C'est pour nous que tu as fait ce sacrifice. Seigneur, fais que chaque jour de cette nouvelle année qui va commencer bientôt, nous nous remémorions ce sacrifice que tu as fait pour nous. Que nous réclamions de ce sacrifice et que nous améliorons, faisons grandir la relation que nous avons avec notre Dieu, notre Sauveur. Seigneur, bénis ces gens, accompagne-les aujourd'hui et cette semaine, et tout au long de leur vie, afin qu'on puisse grandir, Seigneur, dans ta foi. C'est au nom et par les mérites de ton Fils, que tu es vraiment. Amen. Amen. Money.